Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de lancer un tout nouveau Let's Play et profiter d'une nouvelle exclusivité qui vient tout juste de sortir. Je parle, bien évidemment, vous l'avez sous les yeux, de Ratchet & Clank Rift Apart, sorti en exclusivité sur PlayStation 5. Je vous invite dès maintenant à mettre la 4K 60 FPS, ça va être un let's play. Nos prises de tête, on va passer un bon moment ensemble. Et le jeu a récolté de très 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 bonnes notes, d'excellentes notes même, des 18 sur 20 un petit peu partout en moyenne. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Alors évidemment Ratchet & Clank, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo Setup Partie 2, bien sûr que je connais, mettez en 4K 60 FPS, vous êtes obligés. Vous êtes obligés, vous allez en prendre plein la vue, je pense. Allez, on est parti, bienvenue pour cet épisode 1. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir si possible. Et n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Une petite aventure exotique d'été comme ça, ça fait longtemps et ça fait plaisir. Histoire de passer tous ensemble de grandes vacances. C'est parti, let's go pour l'épisode 1. Allez, on est parti pour choisir le mode de difficulté du jeu, évidemment. Il y a jeune explorateur, donc c'est le mode très facile, le mode facile jeune recrue, le mode agent rebelle, mode normal, leader de la résistance, mode difficile et hors la loi légendaire, mode démentiel, extrême, je ne sais pas. Il y a peut-être une place pour un mode encore supplémentaire, donc je dirais mode très difficile et peut-être un mode extrême encore une fois terminé le jeu une première fois. On va se lancer dans un mode normal, ça reste une aventure exotique, on est là pour kiffer un minimum. Donc, agent rebelle, c'est parti pour officiellement notre épisode 1. Et j'ai tout réglé comme je devais. Mode graphique, on va rester en fidélité, c'est-à-dire 4K, ray tracing et tout piquenti. Si je veux, je peux le mettre en 60 FPS, mais là, ça me paraît pas mal. Ou alors je peux aller chercher le RT performance. On verra, écoutez, on verra. Quoi qu'il arrive, profitez au moins de la 4K sur ces vidéos là parce que vraiment, je pense qu'on va en prendre littéralement plein les yeux. C'est parti, épisode 1. De la résistance, veuillez vous présenter immédiatement au centre de recensement le plus proche. Il ne vous sera fait absolument aucun mal. C'est promis. Et que les membres de la résistance se présentent à l'accueil VIP du centre de recensement le plus proche pour un ajustement comportemental obligatoire. Vous allez adorer. Comme les autres. Et voilà l'assistante. Et voilà l'info. Un vrai coup de maître. Maintenant, file en vitesse et décrypte cette chose. Où est l'info, robot? C'est moi. Rivette? Chut! Faut y aller. Tenez, c'est pour rentrer chez vous. J'ai créé un modèle taille unique, alors ça devrait... Merci!
Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis... des années. Et si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringard. Oh. Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Oh. Ouais. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les invités d'honneur de notre parade. Rachel et... Non. C'est moi, le capitaine Copernicus Leslie Quark, qui animerai les réjouissances. Et là où c'est fort, c'est qu'on est directement dans le jeu. C'est le moteur du jeu, vous l'aurez compris, qui est utilisé pour les cinématiques. Donc c'est très 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 beau, évidemment. Voir la bio des personnages. Ratchet, Ratchet est prêt à tout pour protéger sa galaxie et se jette généralement bots les premières vers le danger. Son habilité avec un plasmo mitraille n'a d'égal que son adresse avec sa clé. Et ses traits d'esprit, dernier Lombax de cet univers, Ratchet est un mécanicien qui a grandi seul en rêvant de retrouver les siens, jusqu'à ce qu'il rencontre son partenaire et complice, Clank. Le crash de Clank sur Veldin marquera la première des nombreuses aventures du tandem de choc, qui sera amené à voyager jusqu'aux confins de la galaxie pour affronter toutes sortes de vilains, comme l'infâme Docteur Nefarious. Aujourd'hui, après tant d'années de repos, Ratchet se demande s'il est toujours fait de l'étoffe des héros. Concernant Clank, Clank est donc le meilleur ami et copilote de Ratchet. Il est aussi le cerveau de la bande, bien qu'il ne l'admettra jamais. Depuis leur rencontre sur la planète Veldin, Ratchet et Clank ont vécu de nombreuses aventures et sauvé maintes fois l'univers des forces du mal. Sur son temps libre, Clank est la vedette de sa propre série d'Holovision et traque les technologies Lombax perdues. Capitaine Quark, leader de la force Quark, ancien président et représentant commercial, le capitaine Copernicus Leslie Quark s'est autant distingué en tant que héros qu'en tant que méchant. Récemment, il a pris part à l'organisation du Festival des héros de Mégapolis qui rend au plus grand défenseur de la galaxie, qui rend hommage, pardon, à Ratchet et Clank et lui-même, bien entendu. Skid McMarks, célèbre champion de Overboard, de Blackwater City, ami de longue date de Ratchet & Clank, Skid passe le plus clair de son temps à promouvoir les équipements de sport à travers sa chaîne de magasins McMarks. Il y en a forcément un près de chez vous. Ça fait du bien de regarder un peu les bios, ça permet de se replonger, ou en tout cas de se plonger, bien évidemment, tout autour de l'univers de Ratchet. Et Pet le Rouillé, actuel capitaine des mechas pirates de sa dimension, Pet le Rouillé, a autrefois affronté Ratchet & Clank sous les ordres du capitaine Slag. Aujourd'hui, son équipage et lui ont conclu un pacte avec le gouvernement galactique, lui promettant de ne piller et voler que lorsqu'il aurait le dos tourné. Donc, on s'est remis un petit peu dans le jeu, on est donc parti, les amis, pour la suite de notre aventure. Dis donc, t'as vu un peu le monde qu'il y a? Même après toutes ces années, c'est toujours aussi... Ah, j'ai tiens fort nos héros! Et oui, les amis, c'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable moi, sans oublier évidemment, l'incroyable cadeau surprise de Clank pour Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Non, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. Allez, on tabasse les caisses, ça rapporte des boulons. Grâce aux boulons, on va pouvoir acheter des upgrades et tout y quanti sur du Ratchet & Clank, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là? Donnez un petit coup. Ah, c'est des confettis! Attendez. On sait jamais. Pipez-moi! Pipez-moi! Double saut déjà accessible. Ok. La foule est en délire.
Mesdames et messieurs, nous héros pour à présent franchir sur la rage respire. En fait, faut que je fasse le man pour qu'on me kiffe, c'est ça? Ah, j'avais oublié qu'on pouvait envoyer la clé. Eh putain, quelle époque. La dernière fois que j'ai joué à Ratchet & Clank, les amis, c'était sur PlayStation Vita et PlayStation 2. J'ai pas fait celui sur PS3 et encore moins celui sur PS4, qui pourtant apparemment était très très bon aussi. Brise les caisses de munitions pour récupérer des munitions. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça, tout simplement. Ok. C'est bien parce qu'on a l'effet de la manette, évidemment, de la PlayStation 5. Je rappelle que c'est une exclue PS5. Regardez le nombre de particules, regardez les effets. C'est plutôt stylé, il faut l'admettre quand même. Ok. Oh putain, je peux leur tirer dessus. Je sais pas pourquoi je casse ça, hein. Ça se trouve, ça a aucun intérêt. Hein. Ah, le plus des héros est en train hors de danger. Hey, je crois que j'ai trouvé l'Obex. C'est la reconstitution de quelle bataille exactement? De mise à prix, l'Obex. Ratchet, je crains qu'il ne fasse pas partie du spectacle. Ok, bah écoutez, on va s'en occuper, c'est pas un problème. Wouh! Attends, c'est quoi là que je dois arracher là? Par contre, il y a tellement des effets partout, littéralement. Quoi? Quelqu'un a mis nos têtes à prix? Ah, les moments de slide, ça je kiffais bien à l'époque. Dépêchons-nous d'aller à l'avant de la parade. J'ai toujours trouvé ça assez surprenant et assez kiffant. Ça me rappelle une époque où Sonic était des bons jeux. Malheureusement, on n'en voit plus. Ok, ça c'est fait. Le spectacle doit être terminé. Merde, il est travers le con. Ok, j'ai les bottes antigravitationnelles. Pour utiliser le swinger, qu'est-ce donc que le swinger? J'appuie sur L1. Ah d'accord, c'est le grappin. Quelque chose me dit que c'est l'œuvre des Blagues, des Kragmites, ou... Oh, les docteurs Nefarius. Non, impossible. Nefarius a pris sa retraite bien avant nous. Donc le docteur Nefarius, vous l'aurez compris avec le débrief de tout à l'heure, c'est le grand méchant des Ratchet. Ok, excusez-moi là, alors là ça va être terrible parce qu'on est sur un shoot'em up, hein, bien évidemment. Jeu d'action-aventure, et là ça va swinguer à chaque fois de tous les côtés. Donc ça va être dur. Oh, bien, 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 bien. Ça va être dur de rester focus et de vous parler tout le temps. Regardez. Voilà, on peut déjà planer. Ok. D'autres mercenaires. Les voix toujours aussi incroyables. Ça pour le coup c'est un bon kiff. Ratchet & Clank, ça a toujours eu un doublage assez exceptionnel pour le coup. Et c'est surtout un jeu aussi très très drôle. Ok, piston rafale, il est passé niveau 2. Très bon ça. Donc maintenant j'ai des lasers verts. Ok. Il y a tellement de détails. Tellement de détails. Oh, les clébards. Ok. Ça, ça dégage. Putain, mais la vache! Résistant le con! Ah, j'ai pas vu sa barre de santé au-dessus, ok.
100% de santé. Voilà, ça c'est vite fait, ça dégage. Hein. J'ai pas le temps pour cette connerie. Je suis un peu rouillé, mais je m'en sors pas mal. Est-ce que c'est fini? Et maintenant, nous arrivons au présent de ce récit héroïque. Ratchet, le dernier Lombax connu, des autres étant perdus dans une autre dimension, s'apprête à recevoir un mystérieux cadeau de la part de Clank. J'avais préparé un discours, mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier. Et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh, écoute, je... Hey ! Docteur Nefarius ! Ratchet et Clank ! Quelle merveilleuse surprise ! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarius? Ça! Hein? Pourquoi plus personne n'imprime de mode d'emploi? Parti. Il faut à tout prix reprendre le dimensionnateur au docteur Nefarius. Oui, et sans tarder. J'ignore ce qu'il a en tête, mais attends. Petit moment de slide. Oh, les musiques par contre sont tellement stylées. Ok. Ça dégage mon pote, hein. J'ai pas le temps pour les clés. Ah, ah, ah. Me douter que Nefarius tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route! J'ai l'impression que Nefarius a atterri du côté de la gare. Oh, Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Besoin d'une arme? Madame Zurkon a tout ce qu'il faut. Ok, on a le vendeur. Bienvenue chez Madame Zurkon, la seule boutique qui te permet de gonfler ton arsenal. Ok, utilisez L pour comparer les armes et appuyez sur carré pour avoir un aperçu. Est-ce que vous savez ce qu'il y a de mieux que de regarder des explosifs sauter? Les balancer à main nue. Appuyez sur la gâchette. Ok, c'est donc des grenades, de simples grenades. Si le temps presse, appuyez sur la gâchette à fond pour envoyer passer l'ennemi. Bombe à dispersion. Bombe à destruction, plutôt, oui. Ok, je suis pas fan des grenades en vrai, je les trouve pas ouf. Voilà, ça me plaît. C'est le son de la puissance à l'état brut, celui de l'exécuteur. Deux canons pour garantir un max de destruction. Ok, c'est un fusil à pompe. Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour faire feu avec un des deux canons. Si jamais vous le sentez bien, appuyez sur la gâchette à fond pour tirer avec les deux à la fois. Boum! Ça me plaît. Et le pistolet rafale, on l'a déjà. Écoutez, pour l'instant, on va aller sur l'exécuteur. Ça me plaît un petit peu mieux.
Profite de ton achat, bien sûr, pour en profiter. D'autres mercenaires en approche. Allez, on va leur casser la gueule, on va tester un petit peu ce fusil à pompe. Ça devrait le faire. On va essayer aussi, par la même occasion, à demi, à fond de canon. Alors là, va falloir gérer, par contre. Il est monstrueux, gros. Ah oui, d'accord, ok. J'ai appuyé sur les deux, effectivement. Regarde, tout part d'un coup, en fait. Voilà. Pour l'instant, ça vaut pas le coup. Ok. Merde, c'est des civils. Excusez-moi, les gars. Ok, maintien triangle pour sélectionner une arme. Et on va partir sur le pistolet rafale, effectivement. Très bien, c'est bon, ça. On s'est déjà fait à toutes les touches. Y'a plus qu'à 9 munitions pour exécuteur. Ok. On va garder le fusil à pompe. BAM! Vous inquiétez pas, je gère la situation, ami civil. Bonsoir. Alors là, on est sur du longue distance, bien sûr. Posez le dimensionnateur, Nefarious. Posez le dimensionnateur. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Je vous préviens, c'est très énervant. Il faut juste que je calcule ces maudites coordonnées. À la voyure. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se pourrait qu'il y ait un léger problème. Le pont est fichu! Il y a forcément un autre moyen de passer! Les failles semblent réagir au quartz phasique de ton gant. Essaie de le braquer vers l'une d'elles. Allez, temps de changer de dimension! Non mais t'as vu ça? Ça c'est tellement stylé dans les trailers, j'avais bien kiffé. Super train. Oh là 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 là, non, c'est trop stylé la TP comme ça. Moi, ça me fait kiffer perso. Je me demande combien les paris je fais. Pas assez. Ouh, les clébards. Ok, on est bon. On ramasse un max de boulons. Ouais, alors là comment? Ça sert à rien d'aller là, on est bien d'accord, hein. Attendez, ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique, s'il vous plaît. Je gère l'intégralité de la situation. On va juste comprendre où on est. C'est encore pire que ce que je pensais. Quoi? Ok. Bon, il est mort. Il est sûrement mort dans notre souffrance, ce civil. Quoi? C'est devenu des plantes? Là, des requins des sables. Ok, bah vas-y, amenez un. Et moi, je distribue des coups de clé, mon ref, hein. Moi, ça me fait des boulons, c'est très bien comme ça, hein. Requin des sables, c'est des petits piranhas, ça. C'est de la cacaillerie, ça. Ça vaut pas le coup. Mon rêve se réalise. Ou au moins, une très grosse pieuvre. Vaisseau de Nefarious, il faut qu'on trouve un moyen de monter. Les taxis au départ de cette plateforme passent à côté. Alors, il n'y a pas une seconde à perdre.
Au fait, qu'est-ce que tu as réparé le dimensionnateur? Sur mon temps libre. Et je sais que retrouver les Lombax a toujours été important pour toi. J'ai pensé que peut-être nous pourrions les chercher ensemble. Oh, ça me touche beaucoup. Mais je... que dirais-tu de récupérer le dimensionnateur, déjà? Non! Ok. On est sur quoi, là? Alors, quoi de neuf, docteur? On dirait la voix de Bugs Bunny. Merci encore de... Oh, j'ai failli tomber. Ok. Ok, on est bon. NON! Les failles deviennent incontrôlables. Les Farius a complètement perdu le contrôle. C'est quoi ça? Oh! Hey! Hop, une petite boutique. Ou tu te tiens au courant des tendances? Bon, allez, on va le prendre parce qu'ils ont l'air d'insister. Trois armes dès le premier épisode, voilà. C'est plutôt pas trop dégueu. Très bien. Il est temps d'essayer ça. Le docteur Nefarius refait-il vraiment surface après toutes ces années? Ah, pas si dégueulasse que ça. Encore une fois, de conquérir l'univers. Ouais, on sort un peu trop bien à mon goût. Ah non, mais en fait, c'est pas mal du tout, là, ces petites... Ces petites grenades, là, c'est même plus que pas mal. Je m'attendais à un truc éclaté, fallait viser à chaque fois, mais non, ça passe bien, ça passe très très bien, même. Ça passe très très bien. Ok, niveau sup... Oh, il y a un système de niveau personnel, ça, c'est bon. Je pensais qu'il y avait que les armes. Alors, ça va être la merde, là, ce qu'il y a. Non, c'est pas vrai. C'est des forceurs, eux, hein. Ok. Donc ça, c'était la démo qu'on avait vue de l'E3. Donc le tout début du jeu, ça me paraît normal, évidemment. Bonsoir. Oh, je suis un connard, mais ouais, mais c'est pas possible d'être aussi con. Niveau vie, on en est où, d'ailleurs? Parce que je fais pas gaffe, mais... je sais pas si je prends beaucoup de coups ou autre. Maintenant, allons mettre la masse. Mais très très bien. Vas-y, c'est une bande d'incompétents pareils. Voilà tout ce qu'on récolte quand on accorde un congé de paternité à son assistant. Nous devons empêcher Nefarius de trop... Ok, utiliser le dimensionnateur. Ah, bon, sur les filles. Il faut affaiblir ses défenses. Ok, dommage, j'ai pas assez pré-shot, c'est ma faute. Ça fait du bien un petit jeu de plateforme aventure, là. Je pense qu'on va passer un très bon mois de juin et juillet sur ce jeu. Quoi? Ces crapauds sont tellement répugnants. Ok. Alors attendez, ne cédons pas à la panique. Ça sert plus à rien, il est beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. On a une faille très très loin là-haut, mais on peut pas la prendre, je suppose. Ça serait quitter la map. Quoi? Ça c'est problématique, ça. Oh, ça lui arrache pas mal la vie, en vrai, hein. Ses défenses sont en train de faiblir. Ok, exécuteur. Les amis, d'où Nefarius peut-il bien les sortir? Limite, augmenter un tout petit peu la définition, ça serait pas mal, je pense. Combien de fois vous nous l'avez fait, celle-là? Oh, je dirais dans les 4 heures. Non, c'est sans importance. Aujourd'hui, ce sera la dernière fois. Wow, ok, d'accord. Là, il a un double pattern. Il enchaîne les deux premiers patterns. Voilà sur les filles.
piste au rafale de niveau 3, s'il vous plaît. Vous croyez qu'une défaite cuisante suffira à m'arrêter? Eh ben, ouais. Mauvaise réponse. Je vous emmène dans une dimension où c'est toujours moi qui gagne. À votre tour de goûter à la défaite. S'effondrer. Ok, ça va tellement vite, je sais pas trop. Mais c'est pas vrai, hein. Imaginez le changement de monde aussi rapide. Normalement, ça aurait demandé un temps de chargement. Ah, où sommes-nous? Putain, c'est à moi de jouer. Restons dedans, nous t'avions combien de bras? L'abordage? Mais par quelle diablerie! Dégage de mon bâton, maudite créature! Et c'est quoi toutes ces lumières? Je crois que c'est l'heure. L'heure de votre défaite. Ah! Ratchet, le dimensionnateur. Ratchet. Oh non, mon bras. Et non, le dimensionnateur est... Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je t'emmène en balade. Attendez, je dois retrouver mon ami. Où suis-je? Mais... C'est moi? C'est moi! Ah, j'ai réussi! J'ai réussi! C'est moi qui gagne! Empereur Nefarius! Vous rentrez plus tôt que prévu de votre conquête. Oui! Empereur! Et c'était que l'introduction. Clank? Clank? Une Lombax? Mais où j'ai atterri, moi? Trophée obtenu, loin les yeux. Et le docteur a réussi à avoir ce qu'il voulait, à savoir, évidemment, devenir empereur dans un monde parallèle. Une bonne chose de faite, on va pouvoir s'arrêter là, les amis. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous le savez. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Parfaitement charmant.